Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous comptons rentrer la CAI aujourd'hui encore pour nous présenter l'émission Sa Cap Fête pour mon handicapé. Dans l'émission ça, nous portons pour vous images sous présentation module sous l'éducation inclusive qui était faite journée lundi 28 septembre dans l'hôtel Oasis. Dans la deuxième partie de l'émission, nous suivons ensemble le troisième atelier sous avant-projet loi sous accessibilité universelle dans le pays. N'a gagné tout yon extrait des formations qui étaient faites dans bureau secrétaire d'état pour 40 femmes handicapées pour yon apprendre comment yon ka mette sous pied yon activité pour permettre yon rentrer l'argent. Dans fin émission n'a gagné mot c'est maintenant dans langue signe. Restez branché, n'a tourné. Parmi en pile l'autre préoccupation bureau secrétaire d'état pour intégration moun handicapé yon gagné. L'éducation a une place spéciale parce que le secrétaire d'État, Gérald Oriol Junior, croit qu'avec l'éducation, les gens handicapés ont plus de chances et plus de moyens pour valoriser la tête. C'est dans ce sens que ils mettent ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale pour développer un module sur l'éducation inclusive qui a titre Orientation inclusive et éducation spéciale. C'est INSHEA qui travaille sur le document ça. Alors que OEA te bay support technique et puis USAID te bay bourad l'argent. Module si la destiné pour former professionnel dans l'éducation. Jean responsable yo prévoit li, module la doit faire partie ensemble kou étudiant qui vle vin professeur l'école. En outre, intervention ministre l'éducation nationale la nan occasion an, Nesmi Maniga. C'est avec un vrai plaisir de lancer cette journée à la fois de présentation du module Orientation inclusive éducation spéciale de formation. Si avec lui le ministère emboîte définitivement le pas vers les politiques publiques inclusives en matière de handicap, son sens est la concrétisation pratique ou de fait du droit à l'éducation pour tous qui tient le ministère en haleine depuis plusieurs années. À l'instar de presque tous les pays du monde, Haïti s'est engagé depuis 1949 dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans toutes les constitutions haïtiennes qui la suivent, dont celle de 1987, à réaliser ce droit. Bien que ne ce soit pas un droit abstrait, il ne reste que son acceptation se précise encore plus clairement chez nous, avec la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, et celle de l'OEA sur l'élimination de toutes les formes de discrimination basées sur le handicap, ratifiée en 2009. Plus près de nous, il y a moins que deux ans, la loi haïtienne du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées a entériné cette dimension fondamentale. En fait, ces derniers textes ne créent pas un nouveau droit. Ils ne font que préciser et renforce les normes premières quant à la prise en compte effective des personnes à besoins spéciaux, notamment les enfants handicapés. Mettre au jour, ce matin, le module d'orientation inclusive et d'éducation spéciale, comme l'intégrer dans les curricula des écoles de formation, des enseignants et des cadres du système éducatif, est quelque chose de primordial. S'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je crois que le temps, il faut faire vite. Et je suis très fier, personnellement, de participer à l'exercice de ce matin. C'est une décision qui ne pouvait plus attendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dû faire 400 km ce matin pour m'assurer que ce module n'allait pas être présenté sans que je l'introduise. Merci pour le travail qui a été fait. Participants dans formation sa yo pral partager connaissances yo dans l'école formation yo yon jan pour professeur yo lè yon nan salle classe yo capable découvrir bien facile lè yon ti moun gen yon handicap et puis konnen bien comment pour li accompagner et puis former élève la. Module sa c'est yon avancé important dans travail k'ap fèt pour permettre tout ti moun handicapé joindre l'éducation. En outre, secrétaire d'état pour intégration moun handicapé yo Gérald Oriol Junior. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette double activité de présentation du module Orientation inclusive et éducation spéciale et de lancement d'une formation de formateurs en lien avec le dit module. Aujourd'hui,
c'est un pas significatif que nous marquons pour introduire la thématique du handicap dans les curricula de formation des enseignants. Je peux dorénavant me réjouir de cette réalisation qui incline le système éducatif vers de plus grandes sensibilités aux droits humains en général et aux droits des personnes handicapées en particulier. Nos remerciements s'adressent aux représentants de l'OEA et de l'USAID, grands partenaires de ce projet pour leur support à tous les niveaux, aux experts de l'INCEA et du Comité technique haïtien pour leur accompagnement et leur contribution combien importante dans l'élaboration du module. Étant donné la situation particulière des personnes handicapées, caractérisées par des besoins spéciaux, elles font figure de l'altérité pour repenser ici l'ensemble des rapports aux autres qui sont fondamentaux dans la dynamique éducative, des soins et du commerce entre les humains. Ainsi, l'un des objectifs à poursuivre ici est la sensibilisation du personnel enseignant, qui joue un rôle moteur dans le formatage de la personnalité des individus et dans le respect des droits des personnes. Voilà pourquoi et comment apprenons-nous à penser que la prise en compte des besoins particuliers des personnes handicapées aide à planifier pour tous les groupes et toute la société. Après chita parler ak secteur k ap lite pour respect droit moun handicapé yo et puis secteur public là pour troisième fois BCF ak partenaires li yo qui donc TPTC CBM ak OEA travaillent sur avant projet loi sur accessibilité universelle là. Fois ça, c'est professionnel dans construction qui t'est réuni pour porter modification sur document dans l'hôtel Kinam jour qui t'est vendredi 25 septembre. Projet ça a visé établir un cadre légal autour principe accessibilité yo dans construction en dans pays a yon jan pour permettre que construction yo bay moun handicapé yo accès dans environnement bâti. On nous suivre un extrait. Ce projet là a été réalisé avec le ministère des Travaux publics, le BSEIPH, et avec l'appui financier et technique de l'OEA et de CBM Haïti. Donc c'est un projet qui comprend trois documents, à savoir l'avant-projet de loi, un annexe qui définit les caractéristiques dimensionnelles et techniques, et de même que le glossaire. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour recevoir vos commentaires, vous les professionnels de la construction, sur ce projet de loi. On veut montrer en principe c'est quoi l'accessibilité. Mais l'accessibilité surtout par rapport à l'environnement bâti. Et là, si vous regardez, vous allez voir que nous mettons qu'il y a deux facteurs pour pouvoir fonctionner aussi, pour pouvoir dans la vie, mais pour pouvoir fonctionner dans un environnement. Il y a les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Et pour les facteurs environnementaux, qu'est-ce que nous avons? C'est que pour un environnement urbain, il y a toujours des bâtiments, il y a la voirie, il y a les équipements, etc. Pour pouvoir les utiliser, ça requiert un ensemble d'actions, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer, atteindre des objets, lire des textes, entendre des messages, comprendre une signalisation, se repérer et s'orienter, etc. C'est comme ça, ambiance l'intérieur. En outant des précisions, M. Oriol, secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé. Donc, avec projet de loi ça, et n'a pas établi normes en matière d'accessibilité, par exemple, et dimension rampe d'accès, largeur porte, et toilettes qui sont adaptés non seulement pour bâtiments publics, l'État, mais également pour espaces publics, lieux de loisirs, centres hospitaliers, tout espace vraiment qui recevra pour le monde, que ce soit de espace qui appartient à l'État haïtien, mais également espace privé qui recevra le monde pour. Par exemple, et banque ou et supermarché. Mais pour ça arriver fait, il m'a demandé participation tout le monde. Il m'a demandé commentaire, avis, tout secteur concerné. Et le ça, la reflété réalité haïtienne. Et tout le monde est capable d'emboîter le pas. Donc, c'est une grande première en Haïti parce que jusqu'à date, et pour qu'on vraiment, il y a des textes de loi
qui définit normes d'accessibilité universelle. Et donc nous étions persuadés que ça portait un gros pas en avant et dans la lutte pour l'inclusion des handicapés pour assurer la participation dans le développement du pays. Sorti 14 pour arriver 20 septembre qui saute passé là, bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés ensemble avec Doudli Elius et l'équipe a réalisé une semaine de formation pour 40 femmes handicapées pour montrer comment elles sont capables de lancer une activité qui permet de rentrer l'argent. Formation SILA réalisée dans le cadre du projet Autonomie des femmes haïtiennes que le département de l'État américain finance. Formation a été faite en créole avec documents qui écrit en créole suivant niveau participant. Travail yo te chita sou comment yo ka planifier yon business ak comment pou yo gérer sou leadership ak communication. Jodi a nou nan premier jour de formation et nan kad projet a parce que son projet 1 an, moi ça fait 12e mois qui signifie que projet a fini nan mois ça. Nou a bay et plus que 40 femmes qui a vu avec mobilité réduite, nan ba formation dans domaine business, entrepreneuriat, leadership. Et nous gain par exemple dans staff nous un staff international qui composé de plusieurs et peuples de plusieurs nations dans différents pays à travers le monde, États-Unis, Mexique et Canada, Nicaragua, Paraguay, etc. C'est des étudiants, des monde qui étaient gain des boursiers dans le département d'État qui alors qui fait partie de projet là. Nous gain tout dans staff local nous et des formateurs volontaires parce que majoritairement alors en gros tout le monde qui a aidé mesdames yo là qui dans formation là dans bureau secrétaire d'état à l'intégration des personnes handicapées yo c'est des volontaires pas gen monde qui gagne salaire moi même par exemple pas gagne salaire mais moi, en tant que un gagnant premier gagnant dans concours ça qui est alumni engagement innovation fund nous ka garder logo ADM là moi vraiment moi t'ai excité moi vraiment et senti moi bien pour me contribuer pour me faire différence dans société haïtienne pendant que m'a bail temps moi m'a bail talent moi connaissance moi pour m'aider et mesdames ça qui a vu avec mobilité réduite moi j'ai un petit handicap tout moi même spécialement mais qui pas trop agir sur moi parce que me penser que depuis tête tout là c'est pas seulement au niveau physique qui en plus bail café malgré que m'étais allé utiliser le bois m'étais gain problème handicap là m'vinn comprendre que c'est pas seulement handicap physique qui capable empêcher avancer empêcher progresser mais de vous gagner capacité mentale ou capable n'est-ce pas et progresser mentalement et bien physiquement ou pas vraiment un monde qui retardé tant que j'ai au constat que un monde qui avait une mobilité réduite moi vraiment senti content et du fait que jodia nous lancer séance de formation qui t'a supposé durer 2 semaines mais nous connaît avec difficulté qui gagne dans pays et déplacement monde nous faire une semaine cap il commence jodia lundi la fin pour le 7 alors et lundi la fini le 20 dimanche. Et puis après ça, on a gagné une autre séance qui a fait avec Mounio de façon individuelle pour nous faire une formation, pour nous faire suivre à Mounio, ça qui va comprendre, ça qui va comprendre. Et en plus, après le projet, ça, nous comptons faire l'autre projet, l'autre programme pour nous continuer à supporter les femmes haïtiennes vivant avec une mobilité réduite. Dans la fin de formation, les participants ont joué un certificat. Ils ont gagné 5 là-dedans qui jouent une machine à coudre chaque, alors que gen 4 lot ki jwenn bous pou al apran anglè. Nou rive nan rubrik Mon Langue Signe pou emisyon sa. Nap komanse apran ansanm pronon posesif. Pronon sa yo fèt avèk men plat. Li pèmèt nou identifye ki sa ki pou yon moun. Pou mwen, pou ou, pour li pour nous les moun k'ap pale a la dan pour nous les moun k'ap pale a pa la dan pour yo n'a reprendre pour moi pour ou pour li pour nous pour nous pour yo zanmi téléspectateur nous rive nan fin émission pour semaine ça. Avant nous aller, n'a remercier ou pour disponibilité ou ak écoute. N'a faire ou songer tout que émission sera disponible sur YouTube ak sur site biwa www.seiph.gouv.ht. N'a kase semaine prochaine pour l'autre émission sa k'ap fèt pour mon handicapé yo.